peygamber yaptı Hristiyan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki Müslüman. Ama sen ki esper ala yukumuzda Allah subhanahu wa ta'ala ki fas in bon action et n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de cette crise-là, qui se répète dans notre vie, mais c'est des épreuves. C'est ce que l'islam, le musulman peut comprendre que c'est des épreuves. Cette crise-là sont des épreuves. Et le musulman est appelé à être éprouvé. Chaque fois, le musulman est éprouvé. Pour tester ton degré de foi. Si tu es vraiment un bon musulman, si tu peux résister à la tentation. Alors, ceux qui ne résistent pas, voilà. Ah, il paraît que le génie de Palenco est un grand génie. Si on va l'adorer, on va avoir tel, tel, tel. On va avoir des enfants parce que ma femme n'a pas fait d'enfants. Et j'aurai la richesse. Et puis quand j'aurai la richesse, je vais aller à la mer. C'est-à-dire, tu peux nous tromper, mais tu vas tromper Dieu. Tu vas être mon amour, mon amour, mon amour. Ouais. Il trompe Dieu, il va se dire qu'il le trompe. Dieu vous connaît. Il connaît ce que vous pensez. Vous pouvez tromper les hommes, mais pas Dieu lui-même. Comment est-ce qu'il va te tromper Dieu? Avec quelle astuce? Il ne peut pas te cacher de lui. Il faut avoir la foi que Dieu est avec toi. Il est tout près de toi. Il est en toi. Il est toujours avec toi. Il veille toujours sur toi. Il t'observe. Il te contrôle. Rien ne lui échappe. Il ne s'ennuie pas. Il ne dort jamais. C'est le Dieu vivant qui est là toujours. Avant de poser un acte, regarde ce Dieu qui te voit. Parce que le prophète a dit, elle dit ça, la vertu pieuse, c'est d'appeler Dieu comme si tu le vois en face de toi. Mais si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Tu es dans une entreprise où qui fabrique beaucoup d'articles. On peut fouiller les articles dans la bouche, à la sortie, on va les revendre pour avoir un peu d'argent, n'est-ce pas? Mais tu sais qu'il y a une caméra dans le coin de l'usine, ou bien dans les repères de l'usine. Donc, si tu prends quelque chose sur un film, le patron ou bien ceux qui sont sur l'écran me verront. Est-ce que tu vas voler? Tu sais que tu es contrôlé. Donc, tu es vu. Donc, on sait ce que tu fais. Si tu voles à la sortie, là, les gardiens vont te prendre. Non seulement tu vas perdre ton boulot, mais tu vas aller aussi à la prison. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous observe, chers frères et sœurs. Ne pensez pas qu'on a un Dieu qui est dans les cieux, on ne voit pas. Puisqu'on dirait que beaucoup de musulmans pensent comme ça, mais qui n'en voit pas. Mais s'il est en haut là-bas, c'est bien. On va se cacher pour faire certaines choses, et nous fait la part. Il n'est pas là-bas, hein. Il est avec ta route. Même si tu es dans un manquis en train de prendre l'alcool, Dieu est là. Est-ce qu'on doit comprendre? C'est en cela que nous pouvons être forts, intéressés.